recherche du miroir en guimauve magique qui rafraîchit la laine. Première. Et action. Bonjour, moi Irina Zdrovier. Plus avoir besoin respirateur électronique parce que maintenant habitué à oxygène de vous. Moi avoir habitude être grande scientifique, pas avoir habitude réalisateur. Mais aujourd'hui, moi avoir eu badge réalisateur. Moi grande réalisatrice et moi avoir été payée par Victorinox pour faire grand film Miroir Guimauve qui rafraîchit Alain. Parce qu'elle peut être problème, vous voyez. Donc elle avoir engagé Pedro et moi pour l'aider parce qu'elle pas trop staff technique. Mais nous très grands producteurs, nous avoir trouvé grands acteurs très performants qui en très très peu de temps et pour un salaire très modeste ont contribué au tournage film du Miroir en guimauve qui rafraîchit Alain. Dedans avoir utilisé outils très technologiques. Comme Pedro, toi donnez-moi. Voilà, comme ceci pour que acteur. Attendez. Pour que acteur puisse être bien dirigé, voilà, c'est un outil technologique scientifique numéro 1. Merci Pedro. Toi pouvoir récupérer. Voilà. Avoir utilisé aussi. Ah, ça marche bien. Oui, c'est très performant. Avoir aussi utilisé abri anti-atomique pour tête. Pour que moi, pas soleil sur tête et toujours pouvoir toujours bien réfléchir et avoir utilisé autre outil technologique caméra comme celle qu'il y a ici que vous ne pouvez pas voir parce qu'en fait c'est ça qui est en train de me filmer. Voilà, moi pas savoir quoi dire d'autre parce que moi pas trop du métier, mais vraiment très belle expérience avec grands acteurs de tous les milieux que nous avons trouvé ici à Musiwood. Merci et bien à vous pour l'avant-première ce soir. Au revoir. Coupé. Présentation du film En quête du miroir en guimauve qui rafraîchit la laine. Présentation de Victorinox. Première. Action. Je suis immensément fière de vous présenter ma nouvelle production que j'ai intitulée « À la quête du miroir en guimauve qui rafraîchit la laine ». Il n'y a aucun doute, ça va faire un succès au box-office. J'espère même que ça va dépasser mon dernier film « Bali Balo s'en va en guerre » qui était vraiment, vraiment une réussite vue par plus de 16 milliards de personnes. Oui, 16 milliards, c'était prodigieux. Et donc là, je pense faire mieux. Il y a de tout, il y a de l'action, du suspense, on va se balader au fond des océans, on va aller se balader aussi dans un immeuble au restaurant étoilé, bref, tout un univers. Je suis entourée par des jeunes prodiges. Je les ai trouvés un petit peu par hasard, mais ils sont très très prometteurs, vraiment. Alors, je vous laisse découvrir ce nouveau film, merci. Je vous aime. Coupé. Amenez-moi mes meilleurs serviteurs. Bien sûr, reine. Je vous présente Jean-Luc le ninja et Roger la fée. Ensemble, ils ont déjà vécu maintes aventures. Ils sont allés au fond des océans. Ils ont combattu des requins et bien d'autres choses encore. Mais pourquoi on doit aller chercher le miroir en guimauve? Parce que j'en ai besoin. Et non pas parce que j'ai mauvaise haleine. Alors, je vais vous donner cette carte. Sur cette carte,
vous trouverez les lieux où on peut trouver ce fameux miroir en guimauve qui rafraîchit la laine. Mais soyez prudents, c'est très dangereux. Cette façon me paraît suicidaire. Mais je le ferai pour montrer notre bravo à tous. Bien, allons chercher ce miroir de pacotille. Je vais faire un brain dance challenge pour ceux qui veulent participer. Eh, ce serait le meilleur moyen de se rapprocher de lui. Ouais. On participe, okay. Ouais. Ok. Tu m'aides vraiment comme ça. Bah tu viens, on va cuisiner. Non, c'est dégueulasse. Alors, qu'est-ce que vous voudrez? Je voudrais des ailes de dodo grillées avec du jus de chaussettes. Quoi? D'accord, on va essayer de vous préparer ça. Bon, j'ai une idée. On prend du pâté pour chien et on lui fait son jus de chaussettes avec les chaussettes. Bonne idée, j'aurais dit la même chose. Bon, c'est bon, on est prêt. La recette dit, ouais, c'est bon ça. On va prendre la poêle, on prend la poêle, on prend la poêle. Ouais, ouais. Merci. C'est délicieux. D'habitude, c'est tout le temps sucré, amer, ça gratte sous le palais. C'est très bon. Qu'est-ce que je pourrais faire en échange? Ben voilà, je suis intéressée par un miroir en guimauve. Ça vous dit pas quelque chose? Ah oui, mais seulement je m'en suis débarrassée. Il était tellement nul. Mais si vous voulez, vous pouvez être le cuisinier. Sans façon, c'est bon, bon, c'est bon, on y va. Poupée. Thank you.
après Canal Plus Sport. Aujourd'hui, de nouveau participants, Monsieur Jean-Luc le Ninja et Madame ou Monsieur Roger Laffée. Compagnie de notre meilleur arbitre, bien sûr. Alors, aujourd'hui, la première épreuve. Première épreuve d'aujourd'hui s'appelle l'éclate-œuf. Le principe est simple, c'est éclater un œuf sur la tête. Prêt, lancé. Pour l'instant, tu es disqualifié de la première épreuve. Voilà. Maintenant. Donc, maintenant. Ah, c'est compliqué. Deuxième épreuve et dernière. Le montage de temps. Celui qui monte la tente le plus vite. J'ai pas le temps. Donc, le principe est simple, c'est de monter la tente le plus vite possible. Ont gagné, ils ont réussi à monter la tente en même temps. Donc, nous avons deux champions, Roger Laffée et Jean-Luc le Ninja. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais vous fuyez sur mon podium! Mais dégagez! Allez-vous-en! Dans l'autre rue! Bon bah voilà. Bah plus aucun champion, donc je décide que l'arbitre soit le champion. Voilà. J'ai peut-être ce que vous cherchez, mais qu'est-ce que j'y gagne en retour? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et pourquoi pas un numéro de cirque? Miranda, viens ici! Prêt pour le coup? Le directeur. On a rempli la carte de contrat. Oui, il a fait chez moi. Je l'ai mis chez moi. En tout cas, moi j'ai pas ce que vous cherchez. Mais en tout cas, je me suis bien marrée. Franchement, bravo. Bon, maintenant dégagez. Allez, zouk, zouk, zouk. Sinon, j'appelle la flic. Allez, allez. On arrive bientôt, préparez-vous. Nous sommes arrivés. Ah, c'est froid. C'est pas vos chouchottes. Attention à gauche, un requin. À droite, il y a une méduse. Attention, il t'en a deux poissons. Bon.
cherche. Il cherche quoi? Ben, le miroir. Ah, les dieux. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Rien. On est où là? On fait quoi? C'est le feu de mon tronche là! Quoi? Moi je cherchais le miroir là, avec des chamallows, je sais plus quoi là. Ah, mais oui! Ah oui, le miroir pour la laine fraîche. Oui. Bah alors, on fait quoi? On monte? Bah, tu peux faire comment? Bah, je sais pas, on monte. Alors monte! Ok. Hop, voilà. Yeah. My name is Edgy. Mais... Alors... C'est qui MJ? Et pourquoi il parle tous de pompe, mec? Mais... Pourquoi il chante? Mais... MJ, c'est Michael Jackson. C'est le roi de la pop, là. Tu vois, c'est... Hop... Youm! Tout ça, tu connais? Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu nommes? Je viens me venger de ma mort. Ah ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire exploser le gratte-ciel avec ses deux bombes. Non. Oh, attention. Pouvoir d'immobilisation. Attention, vite. Attention, vite. On va monter pour prendre le miroir. Bon, il est où? Mais y'a pas de miroir! Non! Miroir magique? Oui. Non, jamais entendu. Pourquoi? Pour la reine. Ok. Non, nous n'avons pas. Désolée. Viens, oh, on va fouiller dans leur tente. D'accord. Invisible. Allez, attaque, Timéo. Ha. En allez-vous. Et ne revenez jamais. Viens, on va voir si ce n'est pas un autre endroit. On va continuer. Bon, ça n'y est pas. Le... C'était quoi encore d'après la reine? Le miroir, non?
Oui, voilà. Ah, j'ai eu un appel comme quoi il est dans l'espace. Fallait me le dire plus tôt. Viens, j'aperçois le vaisseau. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites du caca. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Bah, on entend. Et toi, t'es qui, gros babouin? Je suis pas un babouin déjà, je suis son garde du corps. Ah, ça explique tout, oui. Ça explique. On venait là juste pour explorer l'espace. Vous voulez venir avec nous? Oh oui. On ne ment pas. Allez. Wow, regardez, c'est la boîte du miroir. Viens, il est peut-être dedans. Mais il est où? Allez, ça va. Comment qu'on fait? On va prendre le vaisseau de secours là-haut. Puisqu'ils sont partis. Moi, je les vois, ils sont là-bas. Ah ah, on vous a coincé. Vous n'allez pas pouvoir aller bien loin. C'est pas gentil d'avoir détruit notre vaisseau. Oui, pas du tout. Et alors, mon chapeau. J'ai presque plus de magie. Non, il faut pouvoir partir. Au secours. Non, Patricia. Bon, alors, je ne savais pas. Avec oh, con. Direct sur la terre. Vite, ils ont laissé tomber deux bouts de ma baguette. Si tu les croques et que tu penses à la terre, on peut atterrir au même endroit. 1, 2, 3. Ah ah, quoi c'est non. On est arrivé avant vous. On est arrivé avant vous. Et qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez volé le miroir. Et j'ai une preuve. Ah bon? Tu l'as dans les mains. Désolée. Bon, on vous livre aux policiers. Non. Et nous, on va voir la reine. Et ça, c'est à moi. Et mon chapeau aussi, s'il te plaît. Mon chapeau. Je frappe. Allez, la police, emmenez-les. Et nous, allez, on rentre dans la reine. Rien faire. Je vais vous offrir ces deux dragons cracheurs de feu. Eh bon, on les mangera au barbecue. Ouais. Tous ensemble. Ringo. Mais je suis végétarienne. Ça en fera plus pour vous. Coupé. Voilà. Mais et toi, Adam, t'étais où? Je comprends pas le français.